Nietzsche est dangereux. Il est dangereux à la fois parce qu'il ne croit pas à nos vérités. Il est dangereux aussi parce qu'il croit au sien. Il ne croit pas à nos vérités. Il ne croit pas à Dieu, il ne croit pas à la métaphysique, il ne croit pas à la raison, il ne croit pas à la science. Et pour cette raison, il a si souvent été mépris, attaqué, vilifié. Nietzsche est à la source du nazisme, de la dénégation. Aujourd'hui, de notre monde post-truth, du déclin de la démocratie, de la vérité dans la démocratie, pour Agamben aussi. Nietzsche est à la source de nos suspicions sur le Covid et toutes les mesures qui ont été prises. Il est à la source du nihilisme, du relativisme et de l'immoralité. En même temps, il croyait si profondément, si maladement, si follement, dans ses vérités, dans l'idée de l'invention de la vérité, la volonté de la puissance, bien sûr, le rôle du pouvoir dans nos relations, la valeur de notre propre identité. Il croyait si profondément dans ses vérités sur le potentiel humain. Et pour cette raison, il a souvent, si souvent, été approprié, déifié, repris par les belliqueux, repris par les fascistes, repris par les nazis, repris par les surréalistes, repris par les anarchistes, repris par ceux qui croient trop à la vérité et ceux qui n'y croient pas assez ou du tout. Il a fait ressortir le pire en nous et le meilleur. Alors, dans ce séminaire, nous allons reprendre, nous allons relire ceux qui l'ont repris pour voir ce que nous, aujourd'hui, on pourrait en faire. Nous, aujourd'hui, au XXIe siècle. Je ne vais pas reprendre ceux qui l'ont vilifié. Ceux-là, ils sont trop fragiles. Ils ont un peu trop peur. Ils ne font pas assez confiance dans l'humain. Ils ont peut-être raison. Hein. Ils ont peut-être raison. Aujourd'hui, avec la montée de mouvements néofascistes, de l'extrême droite, on pourrait se demander en fait si il y a cause pour cette fragilité. Mais je dirais que leur stratégie de censure, de répression ne marche vraiment jamais.
ça marche temporairement, mais ça marche pas en fond. Parce que la pensée qui est censurée ne reste censurée que temporairement jusqu'à ce que la force de la pensée censurée rejaillit. Et donc, en fait, aussi la censure a tendance à remettre l'emphase sur les idées mêmes. Je pense que donc ceux qui l'ont vilifié, ce sont plutôt des petits esprits. Et ce serait une distraction de passer trop de temps avec eux. Et donc, on va se tourner plutôt vers ceux qui en ont fait de Nietzsche quelque chose. Et donc, je vous propose en exergue pour ce séminaire ce passage. Ce passage numéro 108 du Gai Savoir, Nouvelle lutte. Mais je vais changer un peu. Nouvelle lutte. Après que Nietzsche fut mort, on montra encore des siècles durant son ombre dans des salles. Ombre formidable et effrayante. Nietzsche est mort. Mais telle est la nature des hommes et des femmes que des millénaires durant peut-être, il y aura des salles où l'on montrera encore son ombre. Et quant à nous autres, il nous faut vaincre son ombre aussi. Alors, comment donc comprendre cette analogie entre la mort de Dieu dans ce passage sur le Bouddha et Nietzsche lui-même? Dieu, dans ce passage qui réapparaît comme certitude, comme fondement, ses ombres, comme fondation, comme vérité. Nous connaissons bien ce phénomène. Dans le contexte juridique, on le retrouve très joliment exprimé dans un article de Jack Balkin qui s'appelle « The Crystalline Structure of Legal Thought », la pensée cristalline de la structure cristalline de la pensée juridique. Où il montre que, dans le contexte juridique, la structure de l'argumentation se répète, se réplique, comme une structure cristalline. En d'autres mots, à chaque niveau de l'argumentation, il y a un retour sur des mêmes oppositions qui structurent l'argument qui suit, s'il y a ou non un droit ou une responsabilité ou une obligation, si oui, en fait, est-ce que c'est de la négligence ou bien strict liability, que de tous les arguments qui, sur cette chaîne, se répliquent comme une structure cristalline. Et donc, on peut couper la tête, mais les mêmes arguments se répètent. Nous connaissons bien ce phénomène, la récurrence de la certitude ou de la vérité. Encore une fois, dans le contexte juridique, on retrouve ça très clairement avec aux États-Unis, après le mouvement American Legal Realism, dont on a un spécialiste ici, Télémac. Bienvenue. Après le mouvement American Legal Realism, qui a essayé de décimer la formalité et le formalisme du droit américain, un mouvement qui n'a pas vraiment paru autant en France
sauf à travers les travaux de Michel Tropper et d'autres dans son labo. Mais je dirais que le formalisme juridique français n'a jamais vraiment été atteint. Aux États-Unis, oui, avec la pensée de Felix Cohen, Carl Llewellyn, Hale et d'autres, American Legal Realists, une destruction donc de l'aspect scientifique du juridique qui éventuellement sera refondée sur l'économie et la pensée économiste. Et donc, avec la pensée Law and Economics aux États-Unis, mais qui a des influences autre part, avec la pensée Law and Economics, on retrouve la même certitude et scientificité qui existait dans le formalisme anglo-saxon juridique. Nous connaissons bien ce phénomène. Les positivismes se suivent. Et donc, après la mort de Dieu, on a la croyance en la raison, par exemple, avec les Lumières, ou bien aujourd'hui, ou bien à partir du 19e, avec Comte, avec Durkheim, la croyance dans les sciences. Mais Nietzsche, pourquoi Nietzsche alors? Pourquoi ces retours? Pourquoi ces récupérations? Qu'est-ce qui serait ces répétitions de Nietzsche? Et il y en avait tellement. Récupérées, comme vous savez, d'abord par Heidegger, et ensuite récupérées de Heidegger, par Bataille, qui récupère Nietzsche des fascistes, par Jaspers aussi, par Deleuze, qui le récupère sa critique de Kant, par Foucault pour se libérer de Marx, par Fanon pour se libérer des colonialistes. Pourquoi tous ces retours et ces récupérations de Nietzsche? Alors, est-ce que c'est parce que c'est une pensée féconde? Peut-être. Est-ce que c'est parce que c'est une forme de philosophie, poésie, ouverte à l'interprétation et à l'appropriation? Est-ce que c'est parce que les aphorismes de Nietzsche marchent un peu comme les médias sociaux aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, Nietzsche serait un phénomène sur Twitter? Ces aphorismes, des tweets, dangereux, provocateurs, source infinie de mésinformations, de fake news. Vous savez, ce petit passage, paragraphe 108 du Gai Savoir, quand je l'ai répété, il fait à peu près 240 signes. Gilles Deleuze nous dit qu'il est évident que la philosophie moderne, en grande partie, a vécu et vit encore de Nietzsche. C'est dans son œuvre Nietzsche et la philosophie, c'est là comme comment il ouvre son œuvre. Pourquoi vit-elle encore de Nietzsche aujourd'hui? Et tellement, dans tous nos travaux historico-généalogiques qui puisent les relations de pouvoir, qui cherchent à trouver la naissance de nos pratiques et de nos institutions aujourd'hui. Pourquoi Nietzsche? La raison que je proposerai ici, hypothèse, c'est qu'il ne faut penser à Nietzsche ni comme une personne,
ni comme une œuvre, mais plutôt comme un miroir dans lequel on se voit, on se reflète, on se projette. La manière dont il écrit, dans ce singulier, dans ce personnel, à la première personne, nous permet de nous entendre nous-mêmes et de dépasser les limites de la philosophie, la limite des restrictions, du formalisme, des systèmes totalisants et des petites vérités. C'est en partie ce que Heidegger nous propose dans son essai qui est son troisième essai, La volonté de puissance en tant que connaissance, qui est dans le premier volume de son Nietzsche. Il ouvre cet essai de la façon suivante. Qui est Nietzsche, avant tout? Qui est Nietzsche? Nous ne l'apprendrons jamais par une biographie, ni par une recension du contenu de ses ouvrages. Qui est Nietzsche? Nous ne voulons, ni ne devons non plus le savoir, tant que nous n'entendons par là que la personnalité et la figure historique et l'objet psychologique et ses productions. Il continue à la page suivante, 370. La condition préalable pour y réussir, donc pour répondre à la question, c'est de nous détourner de l'homme, de même de l'œuvre. C'est-à-dire pour autant que celle-ci ne serait vue que comme l'expression de l'humain, soit à la lumière de l'homme, car même l'œuvre en tant qu'œuvre nous demeurera hermétiquement close tant que pour la comprendre sous une forme quelconque, nous serions encore à loucher du côté de l'homme qui l'a créé, au lieu de nous interroger sur l'être et sur le monde qui en premier lieu fonde l'œuvre. Ni la personne de Nietzsche, ni son œuvre ne nous regardent pour autant que nous ferions de l'un et l'autre, dans leur mutuelle appartenance, un objet de recension historique et psychologique. Ensuite, il propose, et je garderai une partie de cette phrase, ce qui seul doit nous concerner, c'est la trace que la marche de la pensée vers la volonté de puissance a laissé dans l'histoire de l'être, soit dans les districts encore vierges des décisions futures. Bon, alors, bien sûr, il faut faire attention, comme on va voir, il y a ici déjà l'interprétation, plutôt la philosophie de Heidegger qui est en train de répondre à cette question. Et c'est dans ce sens-là que je garderai ce qui doit seul nous concerner, c'est la trace. La trace. Ensuite, quand il écrit que la marche de la pensée vers la volonté de puissance a laissé dans l'histoire de l'être, on est déjà avec Heidegger. Ça, c'est le Nietzsche de Heidegger. Donc, c'est Heidegger. Et on le retrouve très bien dans le paragraphe suivant, quand Heidegger écrit que Nietzsche est du nombre des penseurs essentiels. Par penseur, nous désignons ces élus parmi les hommes et les femmes qui ont été prédestinés à ne penser jamais qu'une pensée unique, et cela toujours au sujet de l'être, de l'étant. Donc, penseur unique, une pensée sur l'être et l'étant, bien sûr, c'est Heidegger. Et donc,
l'interprétation de Nietzsche qui propose ici, comme on verra, c'est d'essayer de le conformer à son travail sur l'être et le temps. Mais ce qu'il y a d'utile dans ce petit passage, c'est cette idée qu'il ne faut pas étudier la personne de Nietzsche, ni même l'œuvre de Nietzsche pour comprendre son ombre ou ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Parce que ce n'est pas une œuvre totalisante. Là, on peut penser à l'article de Théodore Adorno sur un de ses premiers discours sur l'actualité de la philosophie, 1931, qui est une attaque sur la philosophie totalisante, pour essayer de démontrer en fait qu'on est dans une période où on ne peut plus faire de telle philosophie. Et Adorno nous pousse donc à un niveau intermédiaire de concept. Et je dirais qu'il y a un reflet de ça dans cette idée de trace que j'aimerais garder. Ce qui seul doit nous concerner, c'est la trace, ce sont les traces de Nietzsche. Qu'on doit aujourd'hui, qu'on peut aujourd'hui utiliser pour développer une nouvelle philosophie, des nouvelles théories critiques qui nous sont utiles. Bon. On pourrait s'arrêter là, en fait. Je crois que c'est tout le séminaire, il est déjà dit. OK. Je pourrais recommencer au début, répéter la même chose pour que ça sink in, comme on dit. J'aurais dû peut-être amener un lavabo. Mais on va continuer tout de même. Okay. On va continuer aujourd'hui. Alors, revenons sur ce petit passage, paragraphe 108, Le Gai Savoir. Donc, publié en 1882, écrit en 81-82, Nouvelle lutte. Après que le Bouddha fut mort, on montra encore des siècles durant son ombre dans une caverne, etc. Alors, Nouvelle lutte. L'intitulé Nouvelle lutte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une directive, hein? C'est donc à nous de lutter. C'est une inspiration, à nous de lutter. C'est une interpellation. Vous lisez ça, vous devriez vous sentir identifié. Alors, lutter contre qui? Lutter contre quoi? Dans ses carnets, dans ses notes, dans son carnet 5, à la page 7, daté de l'automne 1881, et utilisé par Nietzsche à Gênes, il avait écrit « Bref, méfiez-vous de l'ombre de Dieu, on la nomme aussi métaphysique. »
Alors, donc, il faut se lutter contre la métaphysique. Un propos qu'on comprend bien chez Nietzsche. Donc, on pourrait relire ce passage numéro 8 en pensant que vaincre son ombre aujourd'hui, l'ombre du Bouddha, l'ombre de Dieu, serait vaincre la métaphysique. Bien sûr, c'est là un lien, on comprendra bien pourquoi Heidegger se tournera vers Nietzsche à cause de ça. On comprendra pourquoi toute la pensée philosophique au XXe siècle se tournera vers Nietzsche pour éliminer, finalement, pour tuer la métaphysique et nous tourner vers des questions contemporaines, des questions humaines, des questions qui nous importent aujourd'hui. C'est ce que Deleuze fera, c'est ce que Foucault fera, même Sartre, via Heidegger, le fera. Donc, nouvelle lutte, c'est une lutte récurrente pour enterrer finalement la métaphysique. Mais que seraient donc ces ombres, plus largement, à un niveau plus théorique? Qu'est-ce que représentent ces ombres? Alors, on pourrait penser à trois possibilités. Alors, la première, c'est bien sûr sur... La première, il faudrait bien sûr se retourner à Platon, au mythe de la cave, qui est bien sûr complètement dans ce passage. Et donc, l'ombre serait les mirages fausses, n'est-ce pas? Qui nous distrait, auquel on est forcé de regarder par opposition à la vérité, aux formes, aux idéaux. Dans ce contexte-là, on pourrait penser que l'ombre représente un mirage. Mais il y a d'autres possibilités, dont une qui revient du paragraphe 90 du Gai Savoir aussi. Un passage où Nietzsche parle de... Enfin, l'intitulé, c'est « Lumière et ombre ». Et il écrit « Les livres et la rédaction de leurs textes sont choses différentes chez différents penseurs. L'un a concentré dans son livre les lumières qu'il a su rapidement dérober aux rayons d'une connaissance dont l'éclat jaillissait en lui et qu'il s'est assimilé. Un autre ne donne que les ombres, les images reflétées en gris et noir de ce qui, la veille, s'identifiait dans son âme. » Bon. Alors, contraste entre lumière et ombre ici, dans les travaux de différents penseurs. Alors, quelle est cette opposition? Les lumières, ce sont des rayons d'une connaissance qui jaillit et qui s'est assimilée. Donc, les lumières, ce serait une manière de présenter sa pensée qui serait la manière forte, jaillissante,
qu'on a repris soi-même, qu'on a réapproprié, qu'il s'est assimilé. L'autre manière, c'est de regarder les ombres, de refléter les ombres. Ici, on est en gris et noir. Et ici, il note, c'est une pensée passée, n'est-ce pas? C'est une pensée qui édifiait la veille, mais qui n'édifie pas nécessairement aujourd'hui. Alors donc, on pourrait penser que les ombres sont des croyances d'hier. Troisième possibilité, aussi, là on se tourne à un fragment posthume, dans l'édition de Colli et Montinari, c'est le 14-14, qui date aussi de 1881, qui représente une ébauche de ce qui deviendrait le Gai Savoir. Et où il écrit, donc 14-14, « En tout domaine où l'on vénère, admire, dispense le bonheur, où l'on craint, espère, presse, devine, se cache encore le Dieu que nous avons dit mort. Il rôde par maintes détours et ne veut surtout pas être reconnu ni nommé par son nom. C'est en effet à ce moment-là qu'il s'éteint, telle l'ombre de Bouddha dans la caverne. Il ne continue de vivre que sous la singulière et nouvelle condition que l'on ne croit plus en lui. Mais il est devenu un spectre, évidemment. » Okay. Alors, troisième hypothèse, c'est que l'ombre représenterait la non-croyance qui continue à faire vivre l'objet de la non-croyance. Donc, le fait que Dieu est mort, par exemple, donne vie, une continuité à Dieu, n'est-ce pas? Il ne continue de vivre, Nietzsche écrit, que sous la singulière et nouvelle condition que l'on ne croit plus en lui. L'ombre devient un spectre qui n'est que la négation de l'idée. Donc, trois hypothèses, mirage, l'ombre est un mirage, ou bien une croyance d'hier, une croyance passée, en gris et en noir, ou bien une non-croyance. Et je crois que on peut discerner dans ces trois possibilités les ombres de Nietzsche. Donc, on peut discerner les textes qui partent de Nietzsche, qui utilisent Nietzsche pour développer leur propre philosophie. Un mirage, le contraste mirage-vérité, je pense, domine chez Bataille, comme on verra. Chez Bataille, qui nous propose le vrai Nietzsche, antifasciste, n'est-ce pas? Qui essaye de s'emparer d'un idéal de Nietzsche, de la vérité de
ce que Nietzsche représente. Ici, donc, le travail qui est en train d'être fait avec cette ombre, c'est vraiment ce travail de platonique dans la cave. C'est de se détourner d'un mirage pour voir la vérité. Croyance d'hier, deuxième possibilité. Là, je pense, et on ne va pas s'attarder sur Hannah Arendt, mais je pense que ce serait la lecture de Arendt, de Nietzsche et de la volonté. Comme vous savez, en 1975, Arendt engage la pensée de Nietzsche, enfin dans ses travaux, c'est l'endroit où elle se confronte à Nietzsche le plus directement, c'est la conversation la plus soutenue, c'est dans son chapitre intitulé « La répudiation de la volonté par Nietzsche » dans le deuxième volume de « La vie de l'esprit » qui est le volume sur la volonté. Bien sûr, Nietzsche apparaît à cause de la centralité de la notion de volonté dans son travail. Et Arendt essaye de lire ce travail sur la volonté comme étant une question du problème de la liberté. À cette époque, au milieu des années 1970, Nietzsche avait déjà été récupéré de l'ignominie de ses appropriations fascistes. Il avait déjà été réintégré à la tradition philosophique, particulièrement pour Arendt à travers Heidegger principalement. Et donc Nietzsche deviendra pour Arendt un philosophe parmi d'autres dans une longue histoire philosophique du concept de volonté. Conversation philosophique qui s'étendra de l'apôtre Paul à Épictète, Saint Augustin, Thomas d'Aquin, Duns Scott, et où ensuite, à travers Nietzsche, finalement, passera par Heidegger, puis au-delà de lui, au concept de jugement. Et c'est dans cette conversation sur la volonté et sur la liberté que Nietzsche joue un rôle central, pas plus central que Augustin ou Aquin et les autres philosophes de la volonté. Mais il y a certains passages où Arendt fait l'éloge de Nietzsche, et c'est dans ce deuxième volume qu'elle décrit Nietzsche comme le plus grand maître de l'art de retourner les tables. Elle écrit avec ses expériences de pensée impitoyablement honnêtes. Et ailleurs, elle fait référence à la clarté inégalée de Nietzsche. Mais malgré ces éloges, le rapport à Nietzsche sur la volonté reste ambivalent et à la fin, Arendt laisse de côté Nietzsche complètement pour se tourner vers la question, pour elle, plus importante, du jugement. Donc elle n'est satisfaite ni des écrits de Nietzsche sur la volonté, ni de ceux de Heidegger. Et donc à la fin du deuxième volume, on a cette impression que le long traitement philosophique d'Arendt sur l'histoire de la philosophie de la volonté mène à une impasse. Elle qualifiera les écrits de Nietzsche comme étant autodestructeurs. Il n'y a aucun moyen de passer de l'idée de la volonté comme libre, c'est-à-dire souveraine, à l'idée de l'appartenance à une communauté démocratique. Pour Arendt, Nietzsche et Heidegger sur la volonté mènent à une impasse qui ne peut être surmontée qu'en se tournant vers une analyse du jugement, donc de la troisième faculté de Kant. Et c'est là où elle ira ensuite travailler. Et donc, je pense que ici,
ce serait une réflexion de l'ombre comme croyance d'hier, croyance dépassée, croyance qu'on avait la veille. Non-croyance, donc cette troisième modalité du fonctionnement de l'ombre, non-croyance, je pense que c'est Heidegger, en fait. C'est le Heidegger sur Nietzsche qui essaye de reprendre le concept de devenir et de l'insérer dans l'analyse de l'être et de l'étant. C'est vraiment, il y a un passage de Nietzsche qui fait trébucher Heidegger, je dirais. C'est le passage fameux sur le devenir et la volonté de puissance. Passage que Heidegger commence à analyser au début de ses cours, quand il se tourne à Nietzsche dans les années 1936. Et c'est ce passage fameux où Nietzsche écrit, plus ou moins, on verra, plus ou moins, donc, où il écrit, enfin, ça c'est la traduction de... C'est la traduction française de Heidegger, de Nietzsche. Récapitulation, donner au devenir l'empreinte du caractère de l'être, voilà la suprême volonté de puissance. Oui. Passage essentiel pour Heidegger, en sortant de son livre, right? Je répète. Donner au devenir l'empreinte du caractère de l'être, voilà la suprême volonté de puissance. Okay. All right. Bon, ça trébuche pour Heidegger parce que c'est presque une réfutation directe de son travail, n'est-ce pas? Ça pourrait être une réfutation directe, ça pourrait être la non-croyance complète dans son travail. Pourquoi ? Parce que Nietzsche, là, est en train de dire, sur une première lecture, disons, que tout le travail sur l'étant et l'être se trompe, n'est que le produit d'une volonté de puissance qui essaye de transformer ce qui serait le devenir. Et pour Nietzsche, bien sûr, vous savez, le devenir est fondamental. C'est, je dirais, c'est ce passage fameux qui « There is no doer behind the deed », right? C'est cette idée qu'il n'y a que du devenir. Eh bien, s'il n'y a que du devenir, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire pour retrouver l'être ou l'étant. Et donc, Heidegger commence avec ce passage dans son premier essai, dans son Nietzsche, volume 1,
son premier essai qui s'appelle « La volonté de puissance en tant qu'art ». C'est dans la section « L'unité de la volonté de puissance, de l'éternel retour et de la transvaluation » où il écrit « Donc, nous l'avons entendu, il écrit, le caractère fondamental de l'étang est volonté de puissance. Et cependant, Nietzsche, justement, n'en reste pas là, comme on a l'habitude de le prétendre lorsqu'on le compare à Héraclite. Bien plus dans un passage qui est expressément donné comme un aperçu embrassant toute sa pensée synthétique, Nietzsche dit, il cite, Heidegger cite « La volonté de puissance » numéro 617. Récapitulation, donner au devenir l'empreinte du caractère de l'être, voilà la suprême volonté de puissance. Heidegger continue. Ce qui veut dire que le devenir même n'est que quand il est fondé dans l'être en tant qu'être. Et tout de suite après, Nietzsche écrit « Que toutes choses reviennent, voilà ce qui forme la plus extrême approximation d'un monde du devenir à celui de l'être, sommet de la contemplation. Que toutes choses reviennent, donc l'idée de l'éternel retour, voilà ce qui forme la plus extrême approximation d'un monde du devenir à celui de l'être. » Heidegger continue, Nietzsche, avec sa doctrine de l'éternel retour, ne fait que penser à sa manière, la pensée qui, de façon cachée mais proprement agissante, règne à travers toute la philosophie occidentale. Il pense la pensée de telle sorte que par sa métaphysique, il revient au commencement de la philosophie occidentale, et soit dit plus clairement, au commencement tel que la philosophie occidentale, tout au long de son histoire, s'était habituée à le voir. Habitude que Nietzsche contracte à son tour en dépit de sa conception par ailleurs originelle de la philosophie pré-socratique. C'est à la page 25-26 du Nietzsche volume 1. Bon, alors, non-croyance, je dirais, dans le sens que Heidegger ne veut pas accepter l'essentialisme du devenir. Et c'est pour cette raison qu'il reprend Nietzsche dans ses cours et qu'il retravaille Nietzsche pour retrouver un concept de l'éternel retour qui pourra reprendre pour transformer le devenir en l'étant. Bien que les passages de Nietzsche résistent. Passages de Nietzsche qui résistent parce que, comme il vient d'avoir utilisé ce passage, que toutes choses reviennent, voilà ce qui forme la plus extrême approximation d'un monde du devenir à celui de l'être, n'est-ce pas? C'est encore une approximation. Mais tout le travail ici, c'est de reprendre Nietzsche afin de retravailler l'être et le temps. Bon, alors, d'où est-ce qu'il vient ce passage, en fait? Bon, comme vous savez tous, bon, il y aura des choses qu'il va falloir dire, que vous connaissez déjà, qu'on va répéter, etc. Comme vous savez tous, la volonté de puissance n'existe pas, right? Ok. Donc, la volonté de puissance était un projet que Nietzsche avait,
projet pour son grand livre qu'il n'a jamais complété. Il avait structuré plusieurs manières d'essayer de l'écrire. Il ne l'a jamais écrit. Ce que nous avons, ce n'est pas la volonté de puissance. Et je dirais que on ne devrait jamais, je pense, enfin, ça me semble clair, on ne devrait jamais citer ou parler de la volonté de puissance. Sauf comme objet qui a été fabriqué par la sœur de Nietzsche avec des intérêts avec ses propres intérêts. On pourrait dire que la volonté de puissance est une ombre de Nietzsche, une sale ombre de Nietzsche, et c'est tout. Bon, ce qui veut dire qu'il faut toujours, quand il y a un passage, ne pas se référer à la volonté de puissance numéro 617, mais plutôt se référer aux fragments que Colli et Montinari nous ont très bien montré, détortiqué, analysé, présenté. Donc on peut toujours faire ça. C'est toujours, il y a des tableaux qui montrent quel passage dans la volonté de puissance sont les, où se trouvent les fragments, etc. Donc le fragment ici qui a été introduit dans cet objet, la volonté de puissance, c'est le fragment 754 dans les fragments posthumes. C'est les fragments posthumes fin 1886, printemps 1887. Le passage lit de la manière suivante. Aussi, malheureusement, malheureusement, les grands traducteurs de Nietzsche ont souvent aussi été les grands traducteurs de Heidegger, donc Pierre Klosowski, par exemple, ce qui veut dire que il y a eu pas mal de bleeding entre les manières de lire et de traduire en français. Okay. Partir. Ok. Bonne chance. Il y a un siège qui se libère. Bon, alors 754. Imprimer au devenir le caractère de l'être. C'est la suprême volonté de puissance. Ensuite, j'écris double falsification à partir des sens et à partir de l'esprit pour maintenir un monde de l'étant, du permanent, de l'équivalent, etc. Que tout revienne, c'est le plus extrême. Rapprochement d'un monde du devenir avec celui de l'être, sommet de la contemplation. Double falsification. Donc, à la fois falsification de sens, à la fois falsification de l'esprit, pour maintenir ce monde de l'étant. Je pense que ce serait ici à la fois la non-croyance, donc troisième modalité de ce que serait une ombre, la non-croyance qui se suit par l'appropriation pour refaire le travail de Heidegger.
Donc on peut retrouver dans les ombres de Nietzsche des différentes modalités d'engager l'œuvre. Ça peut être à travers une lecture qui développe une philosophie de la vérité, ça peut être à travers une lecture qui déplace une pensée dans le passé, ça peut être par une lecture qui commence par un rejet pour ensuite incorporer, s'approprier du travail pour développer sa propre pensée. Et pour Foucault, donc, quelle modalité? Eh bien, écoutez, là, ce serait tout un séminaire. Quelques petites réflexions aujourd'hui, et puis on y reviendra. Enfin, quand je dis tout un séminaire, c'est vraiment tout un séminaire de l'année. Mais petite excursus sur Foucault et l'utilisation, l'ombre de Nietzsche chez Foucault, ou l'ombre foucaldien de Nietzsche. Oui. Avant qu'on passe à Foucault, j'aimerais juste une question par rapport à Heidegger. Ouais. Est-ce que lui, quand il écrit sur Nietzsche, est-ce qu'il lit à partir de la volonté de puissance, ou est-ce qu'il écrit à partir des fragments? Ah, alors lui, quand il écrit, il est en train de lire la volonté de puissance. D'accord. Ouais. Si on travaille sur la lecture nietzschéenne de Heidegger, est-ce qu'on doit considérer donc la volonté de puissance comme étant un objet en soi qui a pu influencer Heidegger? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais je ne crois pas qu'il y a une différence, en fait. C'est un objet en soi qui a eu beaucoup d'influence. Comme vous allez voir quand vous rentrez dans ce texte, je veux dire, c'est la volonté de puissance, c'est pour Heidegger vraiment le point d'entrée, le point le plus important. Le concept qu'il développera et le concept clé aussi que les autres concepts clés nourriront. Donc l'éternel retour nourrit la volonté de puissance, c'est certainement le cas c'est une époque différente, des années 30, et il n'y a pas de questionnement sur cet objet comme étant non pas l'objet de Nietzsche, hein, right? Donc ça se voit très bien, je veux dire, il parle du livre que la sœur de Nietzsche a édité sans évaluation ou quoi que ce soit. Donc, c'est considéré comme le livre de Nietzsche. Okay. Différentes époques, et puis aussi... OK, on y reviendra. Alors, pour Nietzsche, oui. Alors, pour Foucault, pardon. Freud and stuff. Et il y a beaucoup de Nietzsche de Foucault. Il y a beaucoup d'ombres différentes. Je suis en train d'éditer plusieurs ombres. Une, c'est les cours de Foucault sur Nietzsche qu'il a donné à Vincennes en 1969. Un cours
il a donné sur Nietzsche à Buffalo, à the State University of New York in Buffalo, SUNY Buffalo, en 1970. Quelques conférences qu'il a données à McGill University au Montréal en 1971, ainsi que des écrits sur Nietzsche qui datent de 1953-54, il semblerait, d'après les textes, d'après l'écriture, d'après le fait que en partie c'est écrit sur le dos du manuscrit sur la psychologie et la personnalité, donc on dirait du 53 54 certainement et 55 avant qu'il ait Uppsala, bien qu'il y ait quelques numéros de téléphone de Uppsala sur le dos de quelques pages. Ouais, bon. Ce sont des ombres différentes, bien sûr, et ce sont des ombres différentes, mais liées au texte que vous connaissez, j'imagine. Je les mettrai sur notre site, bien sûr, le plus grand texte peut-être sur Nietzsche, Nietzsche, Généalogie, Histoire, de 71, qui est en fait en grande partie le produit du travail de Vincennes, je dirais, ainsi que son texte de 1964, Marx, Nietzsche, Freud, je ne me rappelle jamais de l'ordre, Nietzsche, Marx, Freud, enfin, les trois maîtres de la suspicion. Freud, il est en dernière place. Je crois que c'est Nietzsche, Marx, Freud. Bon. Et puis, bien sûr, donc ça, c'est les ombres les plus, je dirais, directes de Nietzsche. Mais l'ombre la plus célèbre, c'est bien sûr Surveiller et punir. Je dirais. Qui est le produit vraiment de ses réflexions et sur cette méthodologie qui est la généalogie. Mais bien sûr, dans les livres publiés, Foucault une relation très différente avec les auteurs avec lesquels il pense, et il ne fait pas de l'analyse de texte, de l'exégèse, etc. Donc il ne fait jamais une analyse de Nietzsche dans Surveiller et punir. Mais le texte lui-même, je dirais, représente dans l'œuvre de Foucault l'ombre la plus importante. Bon, alors, et qu'est-ce qu'on retrouve, bien sûr, c'est cette méthode qu'on pourrait, enfin, c'est très dur de parler de ces questions parce que on a l'habitude. Parce que les manières dont on parle sont misleading. Comme vous verrez. Dans le sens que, j'allais dire, la méthode nietzschéenne de la généalogie, mais c'est pas une méthode nietzschéenne chez Foucault, c'est une méthode foucauldienne, mais c'est une méthode foucauldienne qui trace, n'est-ce pas? Le passage-là de Heidegger, c'est les traces qui tracent à Nietzsche.
c'est la trace. Donc, et bien sûr, qui trace à la pensée de Nietzsche, certainement à la généalogie de la morale de Nietzsche, et qui fait quelque chose de très différent avec la notion de généalogie. Mais si on pense à la généalogie foucauldienne du début des années 1970, qu'on retrouve dans théorie et institution pénale, par exemple, dans la société punitive, finalement dans Surveiller et punir, qui est une étude des relations de pouvoir qui donne naissance aux pratiques et aux institutions. Donc, tout ce travail-là, je pense que on peut appeler ça l'ombre de Nietzsche, qui, en fin de compte, vous verrez, n'est pas une ombre de Nietzsche, mais une ombre. On voit ça très bien, par exemple, quand Foucault utilise le mot, l'expression l'hypothèse Nietzsche dans Il faut défendre la société. Et là, je remercie Florent Mayer et ainsi que mes autres étudiants à New York. On vient d'avoir une séance de lecture, de relecture de Il faut défendre la société avec Dominique Harold, Fonda Chen et Samuel Strzelski et Florian. Donc, c'était en relisant vraiment ces cours de 76 que j'ai retrouvé ici une autre ombre qui, je crois, est tellement claire qu'elle mérite d'être éclairée. Et je crois qu'on voit très bien ici donc une des formes de l'utilisation de Nietzsche, qui est donc ce qu'il appelle l'hypothèse Nietzsche. C'est dans la première leçon du 7 janvier 1976. Je crois bien que c'est la première leçon. Hein, je pense que c'est bien la première leçon. Et comme vous savez, Foucault vient de publier Surveiller et punir. Il est en train d'écrire et de finaliser, et le travail reprend beaucoup, particulièrement du dernier chapitre de La volonté de savoir. Donc, il est dans cette période qui est une période charnière pour lui, où il est en train de tout remettre en cause, ce qui lui arrivait souvent, mais certainement après la publication d'un grand livre. Et donc, il se pose la question vraiment de l'enjeu de toutes ces généalogies qu'il a publiées et qu'il voit donc reflété dans les dernières décennies. Donc, lui-même, il est en train de développer des généalogies, comme vous savez bien, enfin, la naissance de la prison, Surveiller et punir. Mais en même temps, il indique que pour lui, ce qu'il voit dans les 40 dernières années, c'est une différente manière de penser le pouvoir, n'est-ce pas ? C'est ce qui caractérise pour lui les 40 dernières années. Il essaye d'analyser quel est l'enjeu, qu'est-ce qui a changé, comment comprendre. Et là, bien sûr, c'est toute une période
Enfin, ça inclut mai 68 et tout ce qui s'est passé pendant la révolution des étudiants et des travailleurs, mais aussi son travail archéologique des années 1960. Donc ça, et même, d'une certaine manière, son travail sur l'analyse existentielle qu'il reprend dans cette analyse. C'est donc à la page 13 du livre publié des cours, « Il faut défendre la société ». L'enjeu de toutes ces généalogies, il dit, c'est celui-ci. Qu'est-ce que ce pouvoir? Qu'est-ce que le pouvoir? Okay. Quel est le pouvoir dans, et comment est-ce qu'on a changé la manière de penser au pouvoir depuis l'effondrement du nazisme et le recul du stalinisme? Okay. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'il se pose la question. Et la manière de penser qu'il veut développer, de penser le pouvoir, est en contraste avec une manière qu'il définit comme étant la pensée du pouvoir juridique, libéral, souveraine et économique. Il met en commun la conception souveraine du pouvoir traditionnel que vous connaissez avec Hobbes, mais qu'on retrouve dans la théorie politique liberal political theory. Il met ça donc théorie du contrat, théorie de l'échange, contrat social, bon, vous savez tout ça. Il met ça en fait en parallèle au marxisme. Okay? Donc d'un côté, il y a théorie du contrat, marxisme, où le pouvoir se comprend comme étant un échange déduit en fait d'une relation économique. Okay. En d'autres mots, le pouvoir se déduit de l'économie. Right. En d'autres mots, en ce qui concerne Marx, l'idée que c'est les modes de production qui sont le moteur de l'histoire. Right. Ok. Et donc, il pose la question directement à la page 15, le pouvoir est-il toujours dans une position seconde par rapport à l'économie? Right. Le pouvoir est-il modelé sur la marchandise? Okay. Et donc, ce qu'il est en train d'essayer de développer et ce qu'il essaye de retrouver dans toutes les démarches généalogiques récentes, circa 1975, c'est une autre conception du pouvoir. Bon, qu'on retrouve élaborée dans la société punitive, qu'on retrouve élaborée aussi dans Surveiller et punir, vers la page 24, où il parle de pouvoir ne se possède pas, etc. Bon, mais qu'est-ce qu'il propose? Alors, ce qu'il propose, c'est en fait qu'il y a vraiment deux différentes manières de repenser le pouvoir. Et l'une, c'est l'hypothèse de Reich. L'autre, c'est l'hypothèse de Nietzsche. Et donc, la première, il associe avec Hegel, avec Freud, avec Reich. Et c'est vraiment l'idée que le pouvoir réprime, n'est-ce pas?
au centre de cette notion de pouvoir est la répression. L'idée qu'il y a que le mécanisme par lequel le pouvoir opère serait la répression, ça c'est l'hypothèse de Reich, et de l'autre côté, la manière dont le pouvoir travaille serait à travers la lutte, la guerre, le combat. Et bien sûr, ça c'est l'hypothèse Nietzsche. Donc, l'ombre de Nietzsche ici, c'est de penser aux relations sociales comme étant des relations de lutte, de guerre, des relations de pouvoir qui sont des affrontements belliqueux de force. Et donc, il contraste ces deux modèles, ce qu'il appelle le schéma contrat-oppression, contrat-répression de Reich, au schéma guerre-répression, lutte-répression. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'on retrouve très clairement l'import de Nietzsche dans son travail à ce moment-là. C'est dans ce contexte-là qu'il inverse l'expression fameuse de Clausewitz, vous savez. C'est la politique qui est la continuation de la guerre par d'autres moyens, par inversion de Clausewitz. Mais pour Foucault, la genèse de cette approche vient de Nietzsche et vient de cette notion de lutte nouvelle, paragraphe 108, n'est-ce pas? Et ce qui est très intéressant, c'est que à la fin, il est assez ambivalent sur l'avenir de la notion de répression, sur l'avenir de la notion de guerre. Donc il est à un moment où il est en train de refléter un peu sur la pensée d'hier qui était surveiller et punir. Deuxième modalité de l'ombre, n'est-ce pas? Il était convaincu de cette notion déjà en 72 dans la société punitive. Il en était convaincu. Mais ici, il est en train de se demander si c'est quelque chose qu'il va dépasser. Et il écrit donc à la page 18, en bas de la page 17, il est bien entendu que tout ce que je vous ai dit au cours des années précédentes s'inscrit du côté du schéma lutte-répression. Donc, tout ce que je vous ai dit, c'est tout ce que j'ai développé dans les cours, c'était l'hypothèse Nietzsche. C'est ce schéma-là que, de fait, j'ai essayé de mettre en œuvre. Or, à mesure que je le mettais en œuvre, j'ai été amené tout de même à le reconsidérer, à la fois, bien sûr, parce que surtout un tas de points, il est encore insuffisamment élaboré, je dirais même qu'il est tout à fait inélaboré, aussi parce que je crois que ces deux notions de répression et de guerre doivent être considérablement modifiées, sinon peut-être à la limite abandonnées. En tout cas, il faut regarder de près ces deux notions, répression et guerre, ou si vous voulez,
regarder d'un peu plus près l'hypothèse que les mécanismes de pouvoir seraient essentiellement des mécanismes de répression, et cette autre hypothèse que, sous le pouvoir public, ce qui gronde. Dernière phrase de Surveiller et punir, hein, le grondement de la bataille, n'est-ce pas? Ce qui gronde et ce qui fonctionne, c'est essentiellement et avant tout un rapport belliqueux. Ok. Donc, Lumière et ombre de Nietzsche, paragraphe 90 du Gai Savoir. Et qu'est-ce que c'était l'ombre? Un autre ne donne que les ombres, des images reflétées en gris et noir de ce qui, la veille, s'identifiait dans son âme. Il y a un élément ici d'ombre dans ce contexte-là, par contraste avec les lumières, qui serait une idée passée, peut-être, qu'il faudrait dépasser. Alors, est-ce qu'il dépasse ? Alors, en ce qui concerne le concept de la répression, vous savez bien que, oui, il avait déjà abandonné, en fait, en 1972. Il avait déjà abandonné cette notion de répression. Mais bien sûr, vous allez retrouver ces réflexions sur l'abandon de la répression dans La volonté de savoir, quand il va s'attaquer à la répression victorienne ou la thèse de la répression victorienne, n'est-ce pas, dans L'histoire de la sexualité, volume 1. Right? Mais il avait déjà fait ce travail en 1972, quand il avait été. Du reste, c'était précisément, je date ça à mars 1972, quand il sort de Attica, de la visite de la prison en Attica. Il était visiting professor à Buffalo pendant cette période. Il va visiter Attica avec un autre prof, John Simon, et il y a un entretien sur Attica. Et où Foucault dit vraiment, quand je suis sorti de cette prison, je me suis rendu compte que toute la notion de répression n'est pas adéquate. Parce que ce qui est en train de se passer dans cette institution n'est pas de la répression, c'est de la production. Et donc, il faut interroger la productivité de ces institutions carcérales. Et vous savez très bien que dans Surveiller et punir, la première... Le premier point méthodologique, quand il fait une liste de sa méthodologie, c'est vers la page 20-22, là, il parle de Durkheim, il rejette Durkheim, n'est-ce pas? Et il dit ce qu'il faut faire, 1, 2, 3, 4, hein, et le 1, c'est ne pas se focaliser sur la répression seule, mais voir ce que la prison produit. Donc il y avait déjà beaucoup de travail sur la répression. Mais sur la guerre, donc, est-ce qu'il va abandonner vraiment cette hypothèse Nietzsche? Clairement, il ne l'abandonne pas à la page 18. À la page 18, plus bas, en bas de page, il écrit: mais l'essentiel du cours sera consacré à l'autre volant, c'est-à-dire au problème de la guerre. Je voudrais essayer de voir dans quelle mesure le schéma binaire de la guerre, de la lutte, de l'affrontement des forces peut effectivement être repéré comme le fond de la société civile, à la fois le principe et le moteur de l'exercice du pouvoir politique. Right? Donc c'est assez clair que dans ce cours-là, ou bien au moins... le 7 janvier 1976, il n'est pas prêt à mettre de côté
la notion de guerre dans la société civile. Il met de côté Hobbes et toute la notion de guerre et le contraste entre la guerre civile et l'état de nature et la République comme étant l'endroit où il n'y a pas de guerre. Ils mettent tout ça de côté pour montrer, pour essayer de démontrer dans ces cours-là, 76, qu'en fait, il faut utiliser cette structure de guerre pour comprendre le présent à travers la guerre des races. Et donc, c'est toute une étude de la formulation de l'invention de la notion de race dans l'histoire principalement européenne, les races comme étant les Gaulois, les Goths, etc., et la lutte des classes. Donc c'est lutte des races et la relation avec la lutte des classes. Et éventuellement, le développement de la forme racialisée la plus violente, qui est quand la lutte des races devient internalisée dans la société contre les ennemis internes. C'est pas... Il n'est pas en train d'abandonner la guerre et la lutte et l'affrontement comme matrice pour étudier la société civile à cette époque-là, en 1976, bien que éventuellement, comme vous savez, avec son tournant vers la gouvernementalité et son analyse du néolibéralisme, il se tournera vers le côté plus doux et pastoral des formes de gouvernement et de relations de pouvoir, n'est-ce pas? Donc, éventuellement, je dirais que la guerre et la lutte deviennent des éléments des ombres reflétées en gris et noir qui l'identifiaient la veille. Mais bien sûr, avec Foucault, comme avec tout autre penseur, il faut bien identifier à quelle date précise on est en train de penser, d'analyser son travail, puisqu'il y a pour lui, dans chaque cas, des ombres qui changent à tous les moments. Bon. Alors, dans mon travail aussi, je dirais qu'il y a de multiples ombres de Nietzsche qui ont été pour moi peut-être les plus formative. Et peut-être c'est pour cette raison que j'aimerais passer ce séminaire avec vous à relire les autres ombres de Nietzsche. Encore une fois, bien sûr, il faut se placer en contexte, dans le temps précis. Je dirais que l'analyse généalogique de la forme de gouvernementalité américaine contemporaine que j'ai essayé de faire dans le livre The Counter-Revolution, serait précisément
un effort de faire une généalogie utilisant ou bien en conversation avec l'hypothèse Nietzsche sur la lutte et la guerre et l'affrontement. Donc la thèse principale, c'est que aujourd'hui on se gouverne à travers une logique de la contre-insurrection, de ce que les commandants français ont développé sous la rubrique de la guerre moderne. En d'autres mots, toutes les stratégies et les pratiques qui ont été développées par les Français en Algérie, en Indochine, par les Anglais en Malaisie, par les Américains au Vietnam, les stratégies et les pratiques qui étaient une stratégie militaire de combat contre des forces dites insurrectionnelles dans un terrain très différent de la guerre traditionnelle du 19e siècle. Et donc, ce que j'ai essayé de démontrer dans ce livre, c'est que, en fait, cette logique de la guerre moderne a été reprise par les Américains après le 11 septembre, a été traduite directement dans une stratégie militaire qui a été utilisée dans la guerre d'Irak et la guerre d'Afghanistan. Et on le voit très bien reflété dans le texte, dans le manuel qui a été écrit par le général David Petraeus en 2006, qui représente le manuel de contre-insurrection de l'armée américaine. Il y a moyen de fermer la porte ou pas? Un peu? Ah, pardon. Il y a du monde dehors. OK. Pardon. Cette logique de la guerre moderne a été donc reprise par Galula dans le manuel de l'armée américaine, qui a donc été ensuite distribué à tous les soldats. C'était précisément la logique de la guerre moderne. Est-ce que j'ai dit David Galula? Non, David Petraeus, le général américain David Petraeus. Mais David Petraeus était un étudiant des commandants français et anglais. Il avait fait une thèse sur ce sujet. Et il utilise principalement la pensée de David Galula, qui était un commandant français en Algérie. David Galula, qui, du reste, je dis ça avec un accent américain, il faudrait dire David Galula, je pense, mais on ne le connaît pas comme un français, on le connaît par ses écrits qui ont été rapidement traduits dans les années 60 par The Rand Corporation aux États-Unis, donc traduit en anglais. Donc il a été publié en anglais dans les années 60 et sa pensée militaire a été très influentielle aux États-Unis. Il n'a seulement été traduit en français qu'en 2008, je crois. De toute façon, sa pensée a été reprise donc, par David Petraeus. Une pensée qui était c'est très clairement la guerre moderne, une logique de guerre qui est elle-même une ombre, c'est féminin, ouais, une ombre de Mao en fait, mais qui sera donc repris par l'armée américaine, utilisée par exemple
sous George W. Bush à travers les techniques de torture, à travers les techniques de détention indéfinie à Guantanamo, sous Obama à travers l'utilisation de drones, ensuite élargie aux questions des relations internationales, l'utilisation des drones en dehors des zones de combat, par exemple, au Pakistan, par exemple, et ensuite internaliser, donc ça c'est la dernière étape, vraiment internalisée dans le pays américain par la militarisation de la police, l'utilisation de, enfin, tout l'équipement qui a été, tout l'équipement, toute la logique et toutes les manières de vivre, de penser qui sera internalisée à l'intérieur des États-Unis comme étant une guerre contre des ennemis internes, qui d'origine, après le 11 septembre, c'était vraiment les musulmans et les personnes Muslim Americans. Enfin, on en a vu, par exemple, le NYPD, New York Police Department, faire des recensements de tous les quartiers de New York pour géolocaliser toutes les populations musulmanes de toutes les différentes nationalités. Donc, il y avait des cartes des populations, des concentrations de personnes musulmanes Afghanistan, personnes musulmanes égyptiennes, personnes musulmanes libyennes, personnes musulmanes tunisiennes, des cartes différentes qui cartographiaient toutes les régions, prenaient des photos de toutes les petites boutiques halal, expliquaient qu'il y avait 3 tables, 2 personnes assises, voilà le numéro, etc. Donc c'était vraiment la guerre moderne qui s'appliquait aux États-Unis. Je dirais que toute l'utilisation paramilitaire des forces de l'ordre aujourd'hui aux États-Unis, comme on l'a vu par exemple quand Trump a essayé de déplacer les Black Lives Matter protesters pour sa photo fameuse avec la Bible devant l'église en face de la Maison Blanche, que c'est en fait toute une scène qui reflète toutes les logiques de la guerre moderne. Bon, tout ce travail-là est une forme généalogique pour essayer de comprendre un mode de gouvernementalité aujourd'hui qui incorpore l'hypothèse Nietzsche sans aucun désir de le faire. Mais je veux dire, c'était pas l'intention de ce travail, mais je peux voir l'ombre de Nietzsche dans ce travail. Parce que c'est une généalogie de nos modes de gouvernementalité. Mais plus fondamentalement, je dirais que la manière dont je pense à la vérité se trace à une manière nietzschéenne critique de penser à la critique de la science, par exemple, n'est-ce pas? Donc la position que je prendrais sur le changement climatique, c'est que c'est notre meilleure théorie aujourd'hui de théorie physique de notre situation. Je ne dirais pas que c'est la vérité. Je dirais que c'est la meilleure théorie qui explique ce qui est en train de se passer, une théorie qui est falsifiable, qui pourrait être falsifiable. Elle n'a pas été falsifiée. Elle ne sera probablement pas falsifiée. Mais je n'appellerai pas ça de la vérité. Je pense que ça, on retrouve
ça chez Nietzsche aussi, une critique de l'utilisation de concepts de vérité comme étant la mort de Dieu et ses ombres qui se reflètent toujours. Donc, de cette perspective-là, c'est très important d'avoir une éthique et d'avoir une politique, n'est-ce pas ? Puisqu'il faut faire cette différence entre les meilleures théories qu'on pourrait avoir aujourd'hui, différenciées d'une rhétorique de la vérité, en sachant que cette rhétorique de la vérité est trop puissante et inadéquate, en fait, à cause de sa puissance. C'est très dangereux et c'est très dur à faire et ça ne marche pas très bien politiquement aujourd'hui, bien sûr. Et pourtant, je dirais que c'est tout dans l'excès des propos sur la vérité qu'on s'ouvre à des attaques conspiracy theory. Mais de toute façon, on en parlera plus pendant ce séminaire. Je dirais que tout ce travail-là aussi sur la notion de vérité, sur la notion de post-truth, en ce qui me concerne, est très influencé. Enfin, c'est un mot que je rejette, vous allez voir, mais je dirais que c'est une projection que j'arrive à faire sur Nietzsche. Et je dirais que, vous savez, le problème d'Agamben sur COVID et sa critique de toutes les mesures COVID reflète l'importance d'avoir une éthique et d'une politique dans ce contexte-là. Parce que je pense que c'est fondé sur une critique similaire de la science, mais qu'une critique de la science a besoin d'une éthique et d'une politique pour ensuite se déterminer où on se place. Et parce qu'avec le changement climatique aussi, si on est en train de dire que, si on est en train de faire une critique de la rhétorique de science-vérité dans le contexte du réchauffement global, il faut avoir une éthique et une politique pour se dire, bon, mais c'est... Où est-ce qu'on se place ? On se place du côté de la meilleure théorie qui existe, qui est le réchauffement climatique. Right? Mais où est-ce qu'on se place ? C'est exactement des questions éthiques et politiques. Parce que une fois que la critique de la science est ouverte, il faut se placer quelque part, n'est-ce pas ? Et ça implique une responsabilité. Et bien sûr, c'est absolument impossible d'en parler d'une manière raisonnable dans un contexte politique comme aujourd'hui. Mais voilà, peut-être que l'éthique et la politique, c'est de se taire, en fait, ou d'ignorer sa propre position théorique, n'est-ce pas, épistémologique, parce que c'est ça en fait,
puisque ça ne peut que nuire aux efforts. Mais donc, peut-être que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est ignorer cette ombre de Leech. Bon, pour conclure un peu pour aujourd'hui, excusez-moi, ça allait prendre 20 minutes, ça. Qu'est-ce que donc qu'une ombre ? Qu'est-ce que donc que cette ombre de Nietzsche ? Eh bien, je crois que pour conclure aujourd'hui, et en anticipant la séance prochaine, on va regarder les dernières pages du livre de Heidegger, qui s'appelle Nietzsche, volume 1. Parce que c'est dans ces dernières pages que Heidegger retourne à ce passage de la volonté de puissance numéro 617, à ce fragment, et à cette récapitulation. Et donc à la page 509, vraiment à la fin de cette troisième essai, qui reprend cette récapitulation. Et pourquoi est-ce qu'il la reprend ? Il la reprend parce qu'il écrit parce qu'il veut rejeter l'interprétation courante de Nietzsche, qui pour lui est difficile. Alors il écrit « Or, n'avons-nous pas entendu dire sans cesse que pour Nietzsche, l'essence de l'étang dans sa totalité serait le chaos, donc le devenir, et justement pas un être au sens de ce qui est fixe, stable et constant. Que Nietzsche conçoit en tant que le non-vrai et le non-réel. L'être est refoulé en faveur du devenir. » Okay, donc c'est ça. Alors, or, donc, devrait-on pas dire en fait que non, Nietzsche, au contraire, n'est pas philosophe de l'étang, mais philosophe du devenir. Il écrit « Nietzsche veut certainement le devenir et le devenant en tant que le caractère fondamental de l'étang dans sa totalité, mais c'est précisément et avant tout le devenir qu'il veut en tant que ce qui demeure, le devenir en tant que ce qui demeure. » Il écrit « en tant que l'étang proprement dit. » Il va falloir retravailler ce passage, il est très intéressant et très drôle aussi pour beaucoup de raisons, comme la phrase suivante: Nietzsche pense en métaphysicien de façon trop décidée pour ne pas le savoir. Okay. Et ensuite, il récapitule donc ce passage. Récapitulation, empreinte le devenir du caractère de l'être, c'est l'extrême suprême volonté de puissance. Hein. Et il développe cette interprétation de l'être à travers la notion de phusis en grec, ce qui sera traduit plus tard comme nature, mais qui joue un rôle qui est peut-être au cœur du travail de Heidegger, une notion chez les pré-socratiques qui représentait tous les phénomènes naturels et qui avait une connotation de ce qui devient, n'est-ce pas, et qui servira pour Heidegger à essayer de comprendre aujourd'hui
le concept son développement sur l'essence de l'être. Bon. On y reviendra, mais c'est la fin qui m'intéresse. La conclusion, les derniers propos, les dernières phrases. Et ça se termine un peu sur la question de la vérité. Et il écrit ce qui veut dire « Ni nous n'avons le droit d'exploiter Nietzsche aux fins de quelque faux monnayage intellectuel contemporain, ni nous ne saurions prétendument en possession de la vérité éternelle passer outre à sa pensée. » Donc on ne peut pas exploiter Nietzsche simplement pour nos intérêts intellectuels, mais on ne peut pas aussi simplement se passer de Nietzsche. Il nous faut, et c'est cette manière-là qui termine, il nous faut le penser lui-même, c'est-à-dire penser toujours sa pensée unique et du même coup la simple pensée directrice de la métaphysique occidentale jusqu'à ses propres limites intérieures. C'est alors que nous apprendrons en tout premier lieu jusqu'à quel point et dans quel sens décisif l'être déjà se voit éclipsé par l'étang et la prépondérance du soi-disant réel. Éclipsé. Le mot en allemand. Überschattet, Überschattung. L'éclipse de l'être, die Überschattung des Seins, Schattung, ombre. L'éclipse de l'être par l'étang procède de l'être même, en tant que la dérilection de l'étang au sens du refus de la vérité de l'être. Toutefois, il écrit, si nous apercevons cette éclipse en tant qu'ombre, c'est que déjà nous nous tenons dans une autre lumière, sans trouver le feu dont sa lueur émane. L'ombre même est non pas assombrissement, mais déjà quelque chose d'autre. Et ensuite, il termine par des vers de Hölderlin, de la Terre-Mère. Et c'est donc Hölderlin qui conclut, et il est écrit, « Et parmi les voyageurs, il en est plusieurs qui parlent de ceci, et le gibier erre dans les gorges, et le troupeau vagabonde sur les hauteurs, dans l'ombre sacrée cependant, sur la pente verdoyante habite le pâtre qui contemple les cimes. » Bon. Alors, il conclut sur l'ombre. Mais c'est quoi cette ombre? Ce n'est pas un assombrissement. Ce n'est pas l'effet de la lumière sur l'objet qui crée une ombre. C'est déjà quelque chose d'autre. N'est-ce pas? Et dans le poème de Hölderlin, il y a le gibier qui est dans les gorges, il y a le troupeau qui vagabonde sur les hauteurs, mais c'est dans l'ombre sacrée, sur la pente verdoyante,
que le pâtre contemple les signes. L'ombre est en fait une nouvelle lumière. Ce n'est pas simplement de l'assombrissement. Et du reste, ce n'est pas seulement le feu de Nietzsche dont sa lueur émane. C'est autre chose. L'ombre même est non pas assombrissement, mais déjà quelque chose d'autre. Et donc, le pastoral qui s'occupe des autres, the shepherd qui s'occupe des autres, est lui-même un nouvel ombre, qui n'est pas une ombre, mais plutôt une lumière. Bon. Je pense que dans ce dernier passage de Heidegger et dans ce passage de Hölderlin, on retrouve exactement nos propos ou la thèse qui est que oui, il y a des ombres de Nietzsche, mais ils doivent être compris comme quelque chose d'autre, quelque chose d'indépendant, n'est-ce pas? C'est pour cette raison-là qu'on ne peut pas utiliser le terme nietzschéen, et du reste qu'on ne peut pas utiliser le terme d'influence, parce que ce qu'on retrouve dans ces travaux, ce sont des projections sur Nietzsche, sur les écrits de Nietzsche, qui développent une propre philosophie, des propres philosophies indépendante. Donc on pourrait dire que l'ombre de Nietzsche même est non pas assombrissement, mais déjà quelque chose d'autre. Ok. Bon. Voilà, on commence. On va commencer avec Heidegger la semaine prochaine. On va voir si on va faire Jaspers la semaine d'après, si on y arrive ou si on reste avec Heidegger. Tout le syllabus et tout ça est en ligne. OK, donc vous avez la page, ça c'est où je vais tout mettre. Il n'y aura pas de Moodle parce que ça ne marche jamais. Ce sera tout en ligne. OK. Quoi d'autre? Question? Question? Oui. Je crois qu'on est sur Zoom. Ouais, mais je préfère vous voir. Donc, j'aime pas faire cours sur Zoom. Je veux dire, mais ça existe. Donc, je préfère si je préfère. Et puis, j'aimerais avoir de la discussion. Believe it or not. Ouais, enfin, si vous êtes malade, restez à la maison et puis utilisez le Zoom. Et puis,
De toute façon, je pense qu'il y aura un peu d'épuration. Donc, on va bien rentrer dans toute cette, dans cette salle. Je suis assez sûr. Quoi d'autre? Oui. Oui. Bonne idée. En fait, ouais, je vais envoyer un Google Form pour remplir. Si ça vous dérange pas trop, Google. J'aime pas, mais si vous avez une meilleure idée, vous me dites. Quoi d'autre? Peut-être que j'ai. Oui. Peut-être que j'ai raté parce que je suis arrivée quelques minutes après. J'en doute. Comment est-ce qu'on valide ce séminaire? Ah, une question. Ah, j'ai pas mis l'information. Ah, j'ai oublié de cut and paste. On valide par un papier. Un papier de 10 pages double spaced. On va aller à travers toute l'année là. Donc, cette fois-ci, c'est un long séminaire, 6 crédits, 24 heures, comme ce qui est supposé être fait. Et je mettrai toutes ces indications sur le syllabus en ligne. J'ai oublié, excusez-moi. Merci. Quoi d'autre? Oui. Oui, ouais, on va se valider à la fin. Ouais. On va se valider en juin. Ouais. Enfin, mais en fait, si vous voulez écrire et me donner quelque chose avant, je peux vous valider avant aussi. Ah, le sujet, ça va être votre ombre de Nietzsche. Voilà. Okay. Mais si vous voulez me le donner demain, je valide. Hein. Okay. C'est bon. Ouais. Non, je ne sais pas si on est inscrit au premier ou au deuxième semestre. Je crois que c'est une importance. Je crois que pour les choisir l'école, oui, je pense que c'est artificiel. Donc, c'est le NF. Non, mais ça marche aussi. Ça marche. Ah, ok, super. Quoi d'autre? Oui. C'est, je suis désolé, c'est une question. On va y aller. Hein. Disons que moi, je fais que ça. Donc, je suis. C'est. En fait, j'ai du mal à comprendre ce que vous avez dit, mais aussi ce que Foucault dit lui-même sur le fait qu'avant, il analysait le pouvoir comme selon le schéma de répression. Parce que moi, j'ai l'impression que dès l'histoire de la folie, dès l'histoire de la folie est important. Et même dès l'essence de la clinique, le pouvoir, il produit des choses. Et que, oui, ok, bien. En important, en original, hein. Il faut le lire en 54, pas en 61. Psychologie et personnalité. Très marxiste. Les deux derniers chapitres qui ont été remplacés dans l'édition de 61 sont purs marxistes. Foucault, le marxiste. Bon. Alors là, il faut regarder les 7 premiers cours de théorie institution pénale. Qui sont sur les nu-pieds et la répression des nu-pieds par Richelieu et le chancelier Séguier. Et je crois que c'est là où on retrouve le Foucault de la répression. Un texte fascinant, histoire de la manière dont Séguier a manipuler à la fois le pouvoir administratif, militaire et pénal
pour faire la répression des nupiés en Normandie, 1639. Ça, c'est vraiment, on pourrait développer toute une théorie foucaldienne de la répression à partir de ces sept. Je vous encourage de faire ça, du reste. Mais je crois que ça, c'est le côté caché de la répression chez Foucault. Mais vous avez raison que je ne pense pas que. Je pense que l'histoire de la folie était déjà une critique des notions de répression, particulièrement avec. Et de libération. Ouais. Ouais. Ok. Is that good? Ok. C'est bon? Bon, les autres questions, ça va être pour une bière en face, je crois. Ok. All right.